Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 218, me semble-t-il, de BBS. Je vérifie. Ah, j'ai pas coupé mon Messenger. C'est ça, épisode 218. Donc le défi des Vizards, donc alors pour moi ça vient de sortir, pour vous c'était il y a plusieurs mois. Je sais, il y a beaucoup de décalage entre voilà, les trois vidéos là que je sors et la sortie des chapitres. Bah c'est comme ça, j'ai envie de dire, hein, voilà. Vis-à-vis de mon planning, c'est comme ça. Et je vous dis, de toute façon, BBS va s'arrêter prochainement. En fait, je pense que ça s'arrêtera quand Dragon Wings arrivera sur la chaîne. Voilà. Donc Dragon Wings qui... Non, Dragonflight, pardon. Dragonflight qui est donc la dernière extension de World of Warcraft. C'est parti du coup, le défi des Vizards. On est parti. Alors, attendez, ouais, hop. Ouais, hop. Alors, comment ça se passe? Sa transformation en holo s'améliore. Suffit de le regarder pour savoir, il est nul. Là, il dépasse glorieusement les 10 secondes. Cet abruti ne comprend rien. T'es vraiment un bon à rien, tu devrais laisser tomber. La ferme, la perverse. Eh oh, tu respectes Lisa, s'il te plaît. Tu n'as pas aidé, alors t'as pas ton mot à dire. J'ai beaucoup aidé, crétin. Je t'ai prêté un de mes romans cochons en douce l'autre jour, t'as oublié. Je t'ai jamais emprunté ça. Arrête avec ça, on pourrait te croire. Il n'y a pas de quoi être embarrassé. Moi, je lui emprunte un tous les 2 jours, bordel. Ah oui, cette scène, mais elle est surréaliste. J'ai rien à voir avec toi. Et moi, j'en lis 2 par jour. Merci, ça je sais, ça n'a rien à voir avec toi, sale perverse. Je suis pas une perverse, je suis juste très curieuse. Pour le reste du monde, ça fait de toi une perverse. À peine 10 secondes, j'imagine qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'être patient. Bon, puisque c'est comme ça, puisque c'est comment... Je comprends pas du tout ce que t'essayes de dire. T'en fais pas pour ça. Ichigo, on va essayer autre chose. Au lieu d'affronter seulement Iori, tu vas tous nous affronter un par un. Tu peux battre quelques holos au passage et continuer à t'entraîner pour maintenir ta transformation en holo plus longtemps. Comment ça, au passage? Je t'offre toute notre aide pour augmenter la durée de la transformation. Je serai toi, j'en profiterai. Très bien, je vais le faire. C'est moi qui commence. Alors attendez, je vais couper mon Messenger. Voilà, parce que j'ai un petit souci que je gère en parallèle. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui commence. C'est parce que t'en es encore à l'échauffement que je vais te ménager. Tu risques de mourir. Amène-toi. Nul, vraiment nul. J'ai dit que j'allais pas te ménager. Ah d'accord, oui, j'ai mal lu la phrase. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois tirer au flanc. Ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Ok, suivant.
Full des seuls tickets. Et le monde des humains. Alors normalement pas de tirage hein, cette fois-ci, étant donné que on en a fait un le dernier coup et que c'était littéralement pour moi il y a 2-3 jours. J'ai pas de nouveaux tickets à tirer. Et donc pourquoi je combats des holos aussi? C'est pas parce que c'est pas que ça me dérange, mais au travail, feignasse. C'est toi la prochaine. Dépêche-toi, je suis très occupé avec le dernier numéro qui vient de sortir. T'appelles ça être occupé, c'est pas comme si ça prenait vraiment du temps. Ça dépend pour qui. Qu'est-ce que t'y connais? L'ouverture d'un nouveau numéro, c'est le meilleur moment. Et qu'est-ce que tu racontes? Finissons-en vite, prêt. Vaut mieux en finir vite, ouais. Bon d'accord, si tu insistes, je te laisserai jeter un œil aussi. Non merci, je t'ai rien demandé. Fais attention à la couverture et ne corne pas les pages. Et surtout, les fais pas coller. Je... Mais tu m'écoutes au moins. Ouais bon bah cherchez pas, de toute façon il y a 7 visards, on va se taper 7 chapitres. Miaou miaou. Ah d'accord, il y a un chat, ok d'accord. Tiens, pourquoi il y a autant de chats par ici? Quelqu'un doit leur donner à manger. Je pense que ce serait Hachi potentiellement. Tu nourris les chats? Ouais. Miaou, bon, en tout cas j'ai visé juste. Hein. Là là, bon, c'est un peu embêtant. Il en arrive de partout et avant que j'aie le temps de m'en rendre compte, je me retrouve cerné. T'as des pouvoirs magiques qui te permettent de dresser des animaux ou quoi? Oh. Oh, ils se sont enfuis. Ils évitent Iori aussi. C'est pas très grave, mais c'est un peu triste de voir qu'ils ne m'aiment pas et de façon aussi flagrante. Je ne fais rien de spécial, moi non plus. Enfin, et si nous commencions? Avant que les chats ne reviennent. Oui, et avant que ça m'agace encore plus. Bon, ça c'est réglé. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais soigné Tsubaki pour Orime. Oui, c'est vrai. Alors, merci. Ce n'est rien. Ça, par contre, c'est pas dans l'animé. Ce n'est rien, c'est normal de s'entraider entre partenaires. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit. Encore merci.
Alchi, c'est le bon gars. Bon, il nous reste Rose, Kensei, Love. C'est tout? Ah non, Mashiro. Et Yori? Ah ouais, on en a. Mais il y en a combien? Non, ils sont 8. Qu'est-ce qu'on fait dehors? T'as fini de râler. Je me suis dit que ça deviendrait lassant de combattre tout le temps au même endroit, alors j'essaye de varier. Je fais des efforts pour toi, tu pourrais essayer de comprendre. Et pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? J'ai prévenu les autres aussi, tu les verras tôt ou tard. Bonne chance. Attends comme ça tôt ou tard. Comment ça tôt ou tard? Ouais, c'est surtout une excuse pour varier les niveaux pour Kalaba, parce que c'est vrai que 8 fois le même niveau, ça serait un peu vu. Ok, c'est Love. Tu es déjà mort. Ça, c'est une bonne réplique. Ouais, il est fan de Ken le survivant. Dire en plein milieu d'un combat à des gens qu'ils sont déjà morts. Tu ne le sais pas encore. Tu vis, mais tu es déjà mort. Tu vis toujours, mais tu es déjà mort. La classe, non. Ce n'est pas une bonne si bonne réplique que ça. Tu pourrais arrêter de lire mes mangas et de me les spoiler en gros. Hein. À mon avis, c'était traduit pour rien, mais Love spoil Rose sur les mangas. Salut. Lequel d'entre vous est le suivant? Ah, t'es enfin là. J'ai déjà fini de lire le bouquin. Rose, tu veux bien aller m'acheter le suivant le temps que je finisse le combat? Pourquoi ce serait à moi de te l'acheter? Un peu de sérieux, je suis là pour me battre contre vous. Love, qu'est-ce que tu as fait de mon manga après l'avoir fini? Il doit être quelque part par là. Ce sont mes affaires, tu pourrais y faire plus attention s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais là déjà? Mais attendez, je recompte, j'ai un doute. Shinji, Yuri, Hachi. Love, Rose, Mashiro, Kensei, Lisa. Donc c'est ça, ils sont 8. Ok, Mashiro. Mashiro Kick. Qu'est-ce que... Tu pourrais prévenir avant de faire ça. Poil de carotte, pourquoi tu l'as esquivé? T'es dingue de commencer un combat d'entraînement avec un coup de pied super puissant. Je serais mort si je l'avais pas évité. Si t'étais mort de ça, t'aurais eu aucune chance de me battre. Tes marteaux. C'est parti. Et attends une seconde. Mashiro, super cello. Ok, d'accord.
Ok, elle est déter. Putain, il y a le petit effet et tout. Imbécile. Allez, je t'ai dit d'arrêter d'esquiver. Ou alors, c'est seulement que tu avais envie de passer du temps avec moi. Non! Ichigo! Pomashiro! Oh, tu ne nies pas? Attends, ça veut dire que tu es sérieux? Mais comment t'as pu arriver à une conclusion pareille? Ouais, parce que là, Mashiro niveau maturité, on n'est pas, c'est pas ça quoi. C'est juste que je sais pas comment réagir à une question aussi bête. Mashiro, niveau. On n'en a jamais parlé de Mashiro, mais je trouve que niveau mentalité. Enfin, à mon avis, elle est écrite comme ça. Hein, mais elle est clairement immature, quoi. C'est une gamine dans sa tête. C'est tout, quoi. Peut-être un peu trop fan de Super Sentai aussi. Genre Power Rangers, ce genre de choses. T'es vraiment nul, poil de carotte. Je peux rester comme ça pendant 15 heures. 15, allez, accroche-toi. Alors, dans ce cas, il aurait fallu lui mettre son masque de holo pour qu'elle dise cette réplique. Mais comment tu fais? Tu as une astuce pour rester aussi longtemps dans cet état? Le talent. C'est pas une astuce, ça. C'est vrai que ça, on n'a pas réellement d'explication de pourquoi Mashiro, dès qu'elle a atteint sa holification, elle pouvait rester 15 heures, quoi. Elle pouvait rester beaucoup plus longtemps que les autres. Après, c'est. Est-ce que c'est lié à l'intellect, j'ai envie de dire? Parce que c'est quand même celle qui se prend le moins le chou, quoi, Mashiro, dans le groupe, quoi. Elle a. Comme je dis, elle est immature. Et si ça se trouve, elle a donc l'innocence d'une enfant, et c'est ça qui fait que sa holification. Que sa partie holo, en fait, est peu consommatrice d'énergie. C'est peut-être ça en fait le truc. Là je pars en théorie, hein. Je pars en théorie totale. Les autres sont un peu plus cortiqués, un peu plus. On peut-être moins le. Ce côté. Pureté enfantine, j'ai envie de dire. Et ils ont peut-être plus conscience de ce qu'est le mal, et donc le mal qu'il y a en eux. Et par conséquent, leur holification, donc leur partie holo, est plus forte et donc plus énergivore. Alors que Mashiro, vu qu'elle est très très dans sa tête infantile, qu'elle n'a pas du tout conscience de la méchanceté qu'elle peut avoir en elle, peut-être que sa partie holo est par conséquent assez faible et donc très peu énergivore. Et que c'est pour ça qu'elle arrive à tenir sa holification extrêmement longtemps. C'est une théorie pure, hein. C'est une pure théorie que je sors là. Je sais absolument pas une idée de Tikubo, je sais absolument pas. Voilà, moi c'est ma théorie. C'est que vu que elle a pas conscience de la méchanceté humaine tant que ça, vu qu'elle est dans sa tête toujours une gamine. Peut-être que sa partie holo, du coup, n'est pas foncièrement mauvaise, n'est pas forcément prononcée, et donc peu énergivore. Ce qui n'empêche pas sa puissance. Parce que la puissance est liée à la pression spirituelle. Donc, elle a une très forte pression spirituelle, mais cette pureté intellectuelle, enfin, cette pureté, c'est pas une pureté, mais cette innocence, c'est ça le mot que je cherche, que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Cette innocence qui fait que. Son holo est peu énergivore. Donc quelque part, plus on a une âme innocente, plus une âme infantile,
plus on peut peut-être tenir la holification si on... Pour les visards, quoi, genre, j'entends. C'est ma théorie. Et le fait que Ichigo, peut-être, a vraiment pris conscience de sa partie holo, de la méchanceté de sa partie holo, voilà, l'incarnation un peu maléfique de sa holification, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le tenir très longtemps. C'est parce que Wade Zangetsu est très énergivore. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que... Enfin, c'est ma théorie, c'est potentiellement lié à ça. C'est la conscience que l'individu a du mal en lui, quelque part, de la méchanceté de sa partie holo, qui fait que c'est plus ou moins énergivore. Voilà, c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez trouver un contre-exemple. Voilà. Pareil, par exemple, Hachi qui est... alors qui a conscience que les humains peuvent être maléfiques, hein, mais qui sait très bien être une bonne personne, peut-être. Je pense que c'est peut-être le deuxième visard à tenir le plus longtemps. Potentiellement. Parce que Hachi, voilà, c'est une crème, quoi, quelque part, comme mec. On n'a pas le classement, on n'a pas le temps des autres visards, c'est ça qui est un petit peu bête. C'est on ne sait pas combien de temps peuvent tenir les autres visards. On sait juste que Mashiro, c'est celle qui peut tenir le plus longtemps avec 15 heures de record. Voilà. Ce qui pose des questions, mais on n'a pas le temps des autres visards. On sait juste que Ichigo, lui, c'est 10 secondes. En fait, avec Ichigo, on a le temps que de deux visards. Il nous faudrait plus de données pour valider la théorie ou pas. Mais bon. Et donc, pourquoi tu me suis encore? Parce que je m'ennuie. Et que j'ai faim. T'as qu'à rentrer si t'as faim. C'est Kensei qui cuisine aujourd'hui, alors il n'y aura rien à manger tant qu'il ne sera pas rentré. Ah bon? T'es en retard. Et toi, qu'est-ce que tu lui fais encore? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? C'est parce que j'ai faim. Tu sais que je t'attends. Je peux accélérer un peu. Tu peux accélérer un peu. Je te plains un peu là. Finissons-en. On n'a pas beaucoup de temps. Et parce que je vous rappelle que Mashiro était la vice-capitaine de Kensei. Kensei était capitaine et Mashiro était sa vice-capitaine. C'est l'heure. Hein? Kensei, j'ai faim, dépêche-toi. La ferme, j'arrive tout de suite. J'ai super méga faim. Tu peux pas la fermer un peu. Tu devrais rentrer au plus vite, toi aussi, si tu veux manger. Ou tu vas encore être de corvée de vaisselle. Ok. Malgré cet entraînement, ta transformation au holo ne dure pas plus longtemps. Tu y mets vraiment du tien, Ichigo. Tu fais tout ce que je peux. Je fais tout ce que je peux. Ça fait penser à un truc. Alors, parce que là, leur truc, visiblement, parce que voilà, la corvée de vaisselle, là, qu'ils ont dit.
Ça me fait penser à un truc. Ouais, je digresse pendant cet épisode, de toute façon, voilà, hein, vous avez l'habitude. Apparemment, eux, leur système de la coloc, c'est simple, c'est le dernier arrivé à table, ou peut-être le dernier à avoir fini son assiette, et de corvée de vaisselle. Moi, à la maison, on a un problème. C'est qu'on mange trop vite. On a même des petits problèmes digestifs parce qu'on a pris l'habitude de manger trop vite et on n'arrête pas de se le dire, voilà. On devrait faire ça. Je pense que. Et c'est une idée peut-être que je vous donne chez vous. Si vous avez aussi l'habitude de manger trop vite et donc avoir des problèmes digestifs. Peut-être qu'il faudrait mettre en place. J'en parlais tout à l'heure avec. Le premier à avoir fini son assiette doit débarrasser la table. Vous mettez ça en place. Et ce qui fait que les que qu'on va peut-être mettre un peu plus de temps à manger notre assiette. Et donc ouais, je pense qu'on va se mettre. Je vais en parler. Et puis on va mettre ça en place, je pense. Mais c'est peut-être une idée. C'est peut-être une idée pour se forcer à manger moins vite. Le premier à avoir fini son assiette doit débarrasser la table. Bon, nous, on a un lave-vaisselle, donc il n'y aura pas de corvée de vaisselle. Mais voilà. C'est une idée que je lance. C'est une idée que je lance, si vous voulez. Moi, j'en parlerai ce soir. Je fais tout ce que je peux. Bon, très bien. Je vais t'accompagner aujourd'hui, fais comme d'habitude. C'est pas la peine de me suivre. Quoi? Comment tu peux être aussi ingrat? Je te dis que je vais prendre le temps de voir ce que tu fais. Tu devrais t'incliner et me remercier. Ouais, c'est ça, merci. Oh, je vois, j'essaie d'être sympa avec toi. Et c'est comme ça que tu me traites. Et attends, Ichigo, ne m'ignore pas. Rose, tu pourrais aider Ichigo à s'entraîner, bien sûr. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Ne crois pas que ce sera si facile. Ichigo, quand tu es en holo, est-ce que tu prends en compte le moment où la transformation s'arrête? Pas vraiment. Tu tiens un peu plus de 10 secondes pour l'instant. Ça ne va pas miraculeusement passer à 30 secondes. Tes défenses tombent quand la transformation s'arrête. C'est une invitation à l'attaque. Il prévoyant. Je sais que tu essayes de te concentrer pour tenir plus longtemps, mais l'adversaire n'attendra pas. Pense-y la prochaine fois. Pour une fois, c'est un conseil utile, Shinji. Comment ça, tout ce que je dis est utile? Mais bien sûr. Bon, il reste plus qu'un seul chapitre. Hein. La seule qu'on n'a pas vue, bah, c'est Yori. Yori.
Yori était censée être dans les parages. Où est-elle passée? Regarde un peu où tu vas, crâne d'œuf. Je suis pas chauve. Mais ça va pas. La ferme. C'est à cause de toi que je poirote depuis des plombes, crâne d'œuf abruti. Alors, tu peux rester en holo plus longtemps maintenant? De 0,1 seconde environ. C'est nul. Tu sers à rien, Shinji. Je vais vérifier son entraînement. T'es pas tout le temps en train de me surveiller. Je veux dire que je vais voir ça, si t'as fait des progrès. T'es toujours aussi lent. Tu peux pas bouger un peu plus vite. Aïe. J'avais le dessus dans ce combat. T'es aveugle ou quoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Yori faisait exprès de se déplacer comme ça pour te permettre de t'entraîner à la transformation en holo. Pas la peine d'expliquer. C'est parce que tu lui donnes pas de bons conseils, crétin. T'as vraiment rien dans ton crâne d'œuf. C'est toi qui l'entraînes d'habitude. La ferme. Ah, il y a un 9e chapitre. Mince. Qu'est-ce que tu fais, Yori? Je bosse sur l'entraînement, bien sûr. Ichigo n'a aucun talent dans ce domaine, alors je vais sur lui. Shinji est censé lui donner des conseils, mais il est nul, c'est vraiment n'importe quoi. Je vois, ça doit être dur de n'avoir aucun talent. Blablabla, sale peste. C'est la vérité, crâne d'œuf, si t'essayais de faire travailler un peu tes méninges. T'es trop nul, poil de carotte. Arrêtez de vous allier contre moi. Oh, c'est vous, c'est quoi ce raffut? Tiens, voilà la perverse. Je t'ai déjà dit que j'étais pas une perverse. Tu cherches à te moquer de toutes les filles du monde. Et puis d'abord, la plupart des filles ont déjà lu un roman cochon. Tu n'es même pas au courant de ça. C'est différent de quelqu'un comme toi qui fait que ça toute la journée. Imbécile, quelque chose qui se produit une fois va forcément se reproduire. C'est pas vrai. Allez, ne brise pas le rêve de tout homme comme ça. T'es vraiment un gamin. Oh, purée. Ah, mais peut-être que le problème, c'est pas que tu sois un gamin, mais plutôt un pu. La ferme. Alors, un pu. La ferme. Un puritain, peut-être. Ah non, un puceau, putain. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. La faute à qui? Calme-toi un peu. Je ne crois pas que tu puisses te permettre de bavarder comme ça, Ichigo. Je suis crevé. Enfin, t'as presque rien fait, arrête de te plaindre. Je n'ai même plus la force de répondre à ça. Lâche-le un peu, je suis sûr qu'il fait de son mieux. C'est pour ça que je te répète que tu es trop gentil avec lui, Shinji.
On n'a pas beaucoup de temps. Et je pense que c'est fini. Non? Il y a combien de chapitres, hein? On a combien de temps? Bon, on a encore un peu de temps, mais... Ouais, je m'attendais pas, je m'attendais à 8 chapitres et puis c'était réglé, quoi. On en est à 10, là. Après, c'est parti pour l'entraînement d'aujourd'hui. Super journée pour se balader. Pourquoi tu nous accompagnes, déjà? Je voulais acheter le Shonen Jump de cette semaine. Cette méta. Je vous rappelle que Jump, c'est un... Une sorte de journal du manga, hein, très très connu au Japon. Les mangas qui passent dans Jump sont reconnus. Et Bleach fait partie du top 3 de Jump. Donc c'est... C'est pour ça... Bleach est un manga adoubé par Jump, qui est une revue de manga extrêmement connue au Japon et très très reconnue. Voilà, connue et reconnue. Je voulais acheter le Shonen Jump cette semaine. Et pourquoi tu n'y vas pas directement? Sois pas méchant, Ichigo, on est entre amis ici. Depuis quand je suis ton ami? Oh, tu vas lui briser le cœur, Ichigo. Je suis pas là pour m'amuser, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Je sais que je dois me concentrer encore plus sur l'entraînement. C'est bien. Au moins, tu comprends. Bon, allons-y. Ok. Machiro Kick. C'est Shinji qui se l'est pris. Pourquoi t'as encore esquivé Paul de Carotte? Je te l'ai déjà dit, les gens normaux meurent quand ils reçoivent un coup comme celui-là. Je viens d'en prendre un comme ça. Machiro Super Cello. Poil de carotte. Je te plais, c'est ça? Oh bordel, mais non. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Bah tu évites toujours mes attaques. Alors je me dis que c'est peut-être parce que tu as envie de jouer avec moi. Je t'ai dit que j'allais mourir si je prenais un de ces coups. J'en ai pris un. C'est trop nul, je commence à m'ennuyer. Ne t'inquiète pas, je vais t'occuper. J'en étais sûr. Poil de carotte, je te plais vraiment. Mais je me souviens pas de ça dans le manga. Je me souviens pas que Mashiro, elle essaie de le provoquer Ichigo comme ça. Rien à voir. C'est dingue, Mashiro peut rester en holo tellement longtemps. Sa transformation d'Ichigo est si courte en comparaison. Oh, je suis sûr d'avoir touché quelque chose cette fois. C'est encore moi. Bon sang, elle est vraiment rapide. Je vais mourir si ça continue. Non mais me dites pas que... Non mais c'est pas... Non mais s'il vous plaît, il y a combien de chapitres à ce...
à cette story, quoi. À l'aide. Bon, bah si ça dure plus d'une heure, ça dure plus d'une heure, hein. あ、私が出ます。紅姫。その程度ですか。きつくない。その程度ですか。紅姫。 Oh, Hachi, tu as trouvé les bonbons? Oui, c'est bien ce que tu voulais. Super, mes bonbons préférés. Kensei va encore t'engueuler si tu n'as plus faim pour le repas. Kensei, même pas peur. C'est trop bon, c'est n'importe quoi. Ichigo, comment se passe ton entraînement? Pas mal, je pense. Je commence à comprendre à quel moment le masque disparaît. Très bien, tant que tu apprends quelque chose à chaque fois, tout va bien. Oui. Bon, si tu permets, j'aimerais voir tes progrès par moi-même. Avec plaisir. Ah. Love, qu'est-ce que tu penses d'Ichigo? Un lycéen en bonne santé avec un léger manque d'intérêt pour les filles sexy, je dirais. C'était pas la question. Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Miaou. Je veux savoir si tu penses qu'il sera de taille face aux arancards. Eh bien, malgré tout cet entraînement, il n'a pas vraiment réussi à augmenter la durée de sa transformation. Je doute que ça charge même si on continue l'entraînement. On ferait peut-être mieux de se concentrer sur le premier coup qu'il porte une fois transformé en holo et s'assurer qu'il ne se retrouve pas pris au dépourvu quand le masque disparaît. On est d'accord. Après tout, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, comme tu dis. Mais c'est pas vrai. Oh, il va y avoir 16 chapitres. Il va y en avoir 16. On va se taper deux fois chaque bizarre. C'est sûr, c'est 100%. Bon, bah j'arrête mes digressions, hein, du coup. Hey, Mashiro, tu as intérêt à m'en avoir laissé. J'ai déjà tout mangé, qu'est-ce que tu crois? Mais pourquoi il y en avait assez pour tout le monde, un plein sac? On est au courant que tu sais pas siffler, arrête d'essayer de nous faire croire que tu y arrives. Tu vas grossir si tu continues à manger toutes ces sucreries. Je peux manger autant que je veux, je ne grossis pas. Tu te rends compte du nombre de femmes qui vont vouloir ta peau à cause de ça? Premier arrivé, premier servi, c'est tout. J'ai payé ces bonbons pour que tout le monde en profite. C'était pas seulement pour toi. T'es qu'un radin, Shinji. Je suis pas radin. Et toi, t'es égoïste, Mashiro, hein, pas de soucis. Sérieux, quelle bande de gamins. Sous-titrage
Ichigo, tu as lu le Shonen Jump de la semaine dernière? Non. Quoi, toujours pas? Je me lève, je m'entraîne, je déjeune, je m'entraîne, je dîne, je m'entraîne encore. Quand est-ce que tu veux que je lise des mangas? Moi, je lis pendant que tu fais la vaisselle. Et moi, je fais la vaisselle pendant que tu lis. Alors quoi? Allons, allons, pas la peine de s'énerver. Tiens, je vais être un peu plus sérieux pour l'entraînement aujourd'hui. Donc. Quand tu portes ton masque, tu dois te concentrer uniquement sur le combat. Une fois transformé, ne réfléchis pas à ce que tu vas faire ensuite. Agis. Ça devrait suffire. Entendu, je vais essayer. Si tu veux pratiquer, j'ai encore un peu de temps. C'est vrai, je veux bien. Bien sûr. C'est vrai, tu veux bien. Bien sûr. C'est moi où Love fait copain-copain avec Paul de Carotte. C'est une bonne chose. J'imagine qu'il est du genre à plus apprendre en combattant qu'autrement. N'abandonne pas, Ichigo. Oh, c'est pas fini! 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 Arrête de t'entraîner, Ichigo. Aujourd'hui aussi, c'est entraînement pour toi. Arrête de traîner, Ichigo, pardon. Je traîne pas. Et arrête de me chercher en permanence dans de lapin. Mes dents sont mignonnes, crâne d'œuf. Bon, où est Shinji aujourd'hui? Shinji, je te suffis pas. C'est juste par curiosité, il est là en général. Or, tu veux pas t'entraîner sans lui? C'est pour ça que t'es toujours qu'un avorton. C'est pas pour ça que j'ai demandé. Alors c'est quoi le problème? Allez, on y va. Ma chère kick, tu vas arrêter ça à la fin. Aïe. Commences-tu à frapper une fille innocente, espèce de brute? Les filles innocentes n'arrivent pas avec un coup de pied super violent, imbécile. T'es borné et méchant, Kensei, voyou. Pour le coup, c'est lui qui a raison. Vous êtes toujours tellement sur les nerfs tous les deux. C'est toi qui nous énerve. Dites, est-ce que vous êtes jumeaux? Quoi? Rien à voir, enfin. En tout cas, vous êtes marrant, ni l'un ni l'autre. Bon, maintenant que le calme est revenu, ouais, allons-y. Ok. Simple, rapide, efficace. Allez. Comment c'était, Kensei? Des différences par rapport à la dernière fois? Pas la moindre. Et ouais, si seulement il s'améliorait un peu. Aucun progrès sur la durée, mollasson pour lancer le premier coup. Et pourquoi tu fais cette tête quand ton masque disparaît? Écoute, rien de ce que je t'écoute, rien de ce que je te dis. Tes oreilles sont là pour faire joli. Sérieusement, tu m'entends? La ferme. J'en peux plus, j'y vais pé. Oh la vache! Non mais quand je disais 16 chapitres, on va les avoir, hein. On va les avoir les 16, hein. C'est. Mais il est C'était quoi déjà le record de chapitres qu'on a eu? Ça me gave de rester ici, je vais faire un tour aussi. C'est ça, va-t'en. D'où tu me parles comme ça?
C'est toi qui me cherches. Ça doit être dur pour toi. Tout ce que tu sais faire, c'est crier. Je fais le ménage et la vaisselle tous les jours. Je parle pas de ça, crétin. Allez, on y va. Rose, arrête de rêvasser, tu peux t'occuper de Ichigo pendant un moment. Je ne rêvasse pas, ça me dé je me détends. Ichigo, tu aimes la musique? Hein? Eh ben oui. Je vois, tu ne l'aimes pas beaucoup. Attends, je viens de dire le contraire. À quel point l'aimes-tu? Comment ça, à quel point? Hésitation, je vois ce qui signifie que tu n'aimes pas vraiment la musique. C'est tout ou rien pour toi, c'est ça? Tu trouves? Eh, hey, tu pourrais prévenir. Tu vois, tu as réagi vite cette fois. On dirait donc que tu aimes combattre. Tes yeux sont durs quand tu te bats. Si tu le dis. Iori et Shinji ne mâchent pas leurs mots, mais ils t'apprécient à ta juste valeur. C'est évidemment aussi le cas de Love et moi, ainsi que tous les autres. Tu nous inspires comme jamais auparavant. Ne perds pas ton objectif de vue, montre ce que tu vaux vraiment. Toujours aussi décontracté. J'en peux plus. Allez là, 15e chapitre. Ichigo, qu'est-ce que tu fabriques? Pas de temps de te pas le temps de te reposer, dépêche-toi d'y aller. Tu ne viens pas. Ça me saoule, vas-y tout seul. Ben merci pour le soutien. Qu'est-ce qu'on dit, Kensei et Rose? Pas grand-chose, Rose a sorti des trucs prétentieux, c'est à peu près tout. Tous mes efforts n'ont servi à rien. N'importe quoi. Comment ça? C'est comme ça, c'est tout. Ben voyons, dis ce qui te passe par la tête. Je vais m'occuper du dernier round, tu peux aller réfléchir à ce que tu veux manger ce soir. Crétin. Quoi? Attendez, j'ai un souci avec. Ça fait deux fois que j'ai ce problème. Attendez. Tu sens des progrès, Shinji. Ah, laisse tomber, je viens de me rendre compte que c'est inutile que je te demande ça. Ce sera ta dernière session d'entraînement avec moi. Donne tout ce que tu as. Montre-moi tout ce que tu as appris. Ok, c'est parti.
Excusez-moi, je sais pas pourquoi, c'est ma deuxième commande Amazon où ils me disent qu'il y a un problème avec mon paiement. Bon. 11 secondes pile. Au moins, tu t'es un peu amélioré. C'est toujours pas assez. Ne te mets pas trop la pression. Je te l'ai déjà dit, nous sommes tes amis. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à faire appel à nous. Tu l'as même dit toi-même. T'es venu te servir de nous. Utilise-nous autant que tu veux. C'est pas le moment de te retenir, d'accord? Eh bien. Ichigo n'a aucun talent, alors faut bien que quelqu'un veille sur lui. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit. Si tu veux pratiquer, j'ai encore un peu de temps. Ne perds pas ton objectif de vue, montre ce que tu vaux vraiment. Sois pas méchant, Ichigo, on est entre amis ici. Merci. Hein, j'ai rien entendu. Tu peux répéter, qu'est-ce que tu as dit? Je vais pas le dire deux fois, crétin. Ne me traite pas de crétin, espèce de copieur. Je suis pas un copieur, crétin. À l'entendre de ta bouche, ça me donne envie de te mettre un coup de poing. Je ne suis pas sûr que lui apprendre des notes est une bonne chose. Mais si c'est une bonne chose pour son intégration dans le groupe. J'ai acheté le dîner. Encore des plats préparés, de la supérette. Tu veux de la viande? Faisons cuire un steak. Et qu'est-ce qu'on fait de ces plats? Ichigo va tous les manger. Pourquoi j'ai pas de steak, moi? Fais pas le difficile. T'en as de la chance, tous les plats rien que pour toi. L'offre prépare le grill. Et tu prends tous les plats, partage un peu. Steak, steak. Vous êtes pas mes amis. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et c'est un love que l'on a. Il était long ce chapitre, il était long. Pas si intéressant que ça, en plus. Ah, puis c'est un love que j'avais déjà. Bon, voilà, il reste encore quelques 5 étoiles encore à maxer. Hein. Je suis toujours en progression là-dessus. Hein. Ça fait je vous dis, ça fait quelques jours qu'on avait fait les tirages. Donc voilà, j'ai pas upgrade encore tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, soit pour un autre épisode de BBS, soit pour La guerre sanglante de Milan. Les 3 épisodes hein, que j'ai toujours, qui sont prêts à être diffusés, ils sont prêts, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à mercredi, il y aura un épisode aussi, enfin, il y aura quelque chose aussi mercredi.